Alors, je m'appelle Martin Delicourt, je suis photographe animalier de nature et papa de 3 enfants. La plupart du temps, je pars avec vraiment l'esprit ouvert et le regard attentif à tout ce qui se passe un petit peu autour de moi. Donc je prends la voiture, parfois directement depuis la voiture, j'observe des choses très intéressantes. Je garde toujours mon appareil photo vraiment à portée de main, parce qu'en nature, on a rarement deux fois l'opportunité de faire la même image. Quand je parviens à réaliser l'image que je rêve de faire, c'est vraiment un moment d'adrénaline, quoi. Il y a beaucoup de patience, mais c'est aussi étonnamment beaucoup de moments avec une véritable tension. Le moindre petit changement, ça peut être le passage d'un animal, ça peut être aussi être attentif au chant d'un oiseau qui annonce son arrivée. En forêt, il faut s'effacer complètement. On vit des choses fortes et puis ça s'évapore, ça s'efface, c'est un peu comme les souvenirs, c'est pas toujours facile de garder vraiment le dessin de son souvenir de manière durable. La photo, c'est ça, c'est la capacité à justement garder une empreinte indélébile de ces moments uniques qu'on a pu observer ou vivre. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner aux photographes qui veulent faire de la photo nature, c'est de prendre le temps d'observer, d'apprécier et d'admirer ce qu'il veut photographier. Le meilleur moyen de faire une belle image, c'est d'aimer ce qu'on photographie. La nature demande du temps, prenons-le.